Première chose, ça serait le lavage des mains régulier avec de l'eau et du savon. Le fait de se moucher le nez dans un papier jetable qu'on jette immédiatement après dans une poubelle. Tousser dans le cou, tousser au niveau du coude. Voilà. Si on est malade, on évite d'embrasser ou de serrer la main des personnes qu'on rencontre. Et surtout, la vaccination qui est fortement recommandée pour toutes les personnes âgées de plus de 65 ans, pour les femmes enceintes, pour les malades chroniques, tels que les cardiopathes, les insuffisants respiratoires chroniques, les insuffisants rénaux chroniques et les personnes dont le système immunitaire est diminué ou déficitaire. Pour les enfants, on peut leur apprendre dès le plus jeune âge, justement, l'hygiène des mains. Il faut qu'ils apprennent réellement à se moucher, pas se moucher, jette directement au niveau de la poubelle le papier jetable. Il faut qu'ils apprennent d'éviter de se serrer les mains et de faire la bise si l'un d'entre eux est malade. Voilà, donc en période d'épidémie, il vaut mieux carrément éviter d'embrasser les gens.